Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce Rock and Play sur Zork Grand Inquisiteur. Je vais vous attendre un petit peu, voilà. On va attendre un tout petit peu, voilà. Hein, le temps que je partage tout ça, parce que c'est quand même dommage de rater le début. Le début est quand même magnifique dans ce jeu. Allez, c'est parti. Alors, hop, je vais repartager ça. At everyone. Voilà, alors hop, je partage toujours en attendant. J'espère que vous arriverez vite. En attendant, je me permets du coup de mettre les publications. Voilà. Alors, hop, parce que oui, hein, il faut, comme vous le savez, hein, quand on est tout seul, c'est un peu compliqué, de partager toujours tout. Et puis j'ai pas envie de commencer le jeu sans être sûr que le son passe. Vous comprenez? Voilà, voilà, voilà. D'ailleurs, hop, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un nouveau casque. Voilà, trop de la balle. C'est trop bien. On va peut-être le rapprocher un peu, peut-être. Pour que vous m'entendiez mieux, vous me direz. Publié. Voilà, nous y sommes, nous avançons. Je vous attends un petit peu. J'aurais dû mettre la tente un peu plus longue. Je pense qu'il va falloir que je la mette un peu plus longue. Je pense que ça sera mieux. Hop. On va partager en masse. Hop. Alors. Coucou Nivance, tu m'entends? C'est très bien. Bah c'est parfait. Tiens, je vais tester les crédits. Tu vas me dire si tu les entends. Parce que c'est un vieux jeu. Parfait. Alors je préviens que ce soir ça va être de la détente, hein. Ah là, ça va être du rigolo, hein. On va pas se prendre la tête. Je suis un peu fatigué, donc. Mais j'avais envie de jouer à ce jeu-là. Qu'est-ce que j'essaye de faire moi? Voilà. Le son du jeu est un peu fort. Ok, un peu fort. Hein. Je vais descendre un petit peu. On verra bien après, hein, de toute façon. Et j'ai un nouveau casque. Alors, du coup, est-ce que le son est sympa? Est-ce que le son est propre de mon côté? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est important aussi, hein, comme on dit. Voilà, partagez maintenant. Ok, bah c'est super. C'est ça, hein, regardez, il y a même des néons sur le côté. Voilà, ça fait très gamer. En tout cas, il est vachement, vachement, vachement plus agréable. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis, bah, mine de rien, c'est un bon casque. Il a l'air bien parce que, mine de rien, je l'ai payé quoi? J'ai payé 17 balles, je crois, à Action. Donc, c'est un casque qui vaut que dalle, hein. Mais par contre, la vache, qu'est-ce qu'on est bien avec, hein. Oh là 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 là. Respire la qualité, le bordel, hein. Donc, partager dans un groupe. Hop. Dans Bordel de Geek, on va partager. Oh! Il y a du mal ce soir, hein. C'est impressionnant. Mais ah, on va bien, bien rigoler. C'est des trucs bien rétro. Je crois que c'est un jeu de 98, il me semble. En tout cas, c'est fin des années 90. C'est un jeu que j'ai joué je ne sais combien de fois. Je crois que j'ai déjà même fait en live, c'est pour dire. Mais voilà, un bon vieux jeu rétro, bien sympathique. Mine de rien. Bah voilà quoi, tout simplement. J'ai envie de dire voilà quoi, voilà, oui, voilà.
Hop, partager, partager sur une page, non, sur un groupe. Et le truc d'entraide. Et puis ce sera bon, j'aurai fini de partager. Comment vas-tu, ma petite Nivan? J'ai vu ton message, je sais pas si tu as vu là ma réponse. Donc je t'ai dit oui, bien sûr, et prends ton temps. Pas de soucis, hein. T'inquiète pas pour ça, les chroniques, ça peut prendre du temps. J'en suis bien conscient. Et j'ai pas rempli ma bouteille. Alors, du coup, vous allez me voir me remplir un peu ma bouteille, mais c'est pas grave. Il ne faut pas que tu t'inquiètes, il n'y a pas de souci. Je veux bien. Et t'inquiète pas, il n'y a pas à se prendre la tête. On se prend pas la tête. On est d'une tranquillité, tu vois. Tranquille, voilà. Pire que dans le sud. Voilà, pire que dans le sud, voilà, c'est impressionnant, tellement on est calme, tu vois, détendu. Je veux dire, il n'y a que mon caleçon qui est bien serré sur mes fesses. Voilà, c'est peut-être un peu trop, j'ai bien quand c'est plus ou moins tendu. Allez, hop, c'est parti. Allez, de toute façon, les autres arriveront, tant pis pour eux s'ils arrivent en retard. Ils auront qu'à regarder le replay, parce que ce jeu-là, est une petite merveille. Un trésor des jeux vidéo, du monde vidéoludique. Un peu chiant à installer parce que, ben, rétro, quoi. Mais bon. Alors, attention. C'était une époque où on mettait les acteurs, en fait, avec les. Dans les scènes cinématiques. Donc, du coup. Mais par contre, je vous préviens, graphiquement, voilà, c'est les années 90, c'est pas de l'âge et on en est très très loin même. Allez, c'est parti. La propagande dans la rue. Préparez-vous pour Frobroz électrique, constructeur du totémiseur Frobroz électrique. Frobroz électrique, la lumière sur les ténèbres. Le 24 février 1067 GES, la côte Est. Morphouzol libéré, l'Empire est libéré de la tyrannie de la magie. Fini la transformation des châteaux en fondant et des œufs en guano fermentés. Fini les grues et les granolasses, les têtes plates et les bêtises. Fini l'époque des guerres de la magie. Élimination de la magie et de tous ses aspects. Élimination totale et élimination de l'élimination. Ainsi parla le grand inquisiteur du haut de la Mesa, où la foule reconnaissante a flué pour accueillir les troupes de l'inquisition dans le port Fouzol tout juste occupé. Le troisième maître du donjon a accepté le poste permanent que l'inquisiteur lui a offert. Aujourd'hui, le maître du donjon a lu une déclaration brève mais enflammée de soutien au gouvernement provisoire de l'Inquisition. Le maître du donjon n'oppose en aucun cas une résistance dite magique. Le noyau de résistance aux guildes de l'enchanteur a été dissipé lorsque les enchanteurs se sont libérés d'eux-mêmes par les troupes bienveillantes de l'Inquisition. Ah, les troupes bienveillantes de l'Inquisition. Les citoyens dévoués sont venus de toutes parts pour rechercher les bandes magiques et se sont volontairement purgés des pires excès de la révolution magique. Enfin, lors de la cérémonie de demain, le grand inquisiteur doit présenter une nouvelle technologie radicale qui lui permettra de mettre en œuvre son programme visionnaire. Un point de lumière. N'oubliez jamais qui est le chef de vous. Moi. Moi. Je suis le chef de vous. Je suis le chef de vous. Je suis le chef de vous. Salut Goku. Ça va, t'as pas raté grand chose. Comment vas-tu? Voilà. Bon, ça annonce un petit peu la couleur. Le couvre-feu a commencé. Le couvre-feu a commencé il y a une seconde. Le couvre-feu a commencé il y a 5 secondes. Le couvre-feu a commencé il y a 10 secondes. Eh ouais. Oui, bah oui. Hein. On va baisser un petit peu encore, je pense. Allez, c'est parti. Donc, vieux jeu là.
Tête de poisson! Tête de poisson! Sortez vite, mon joli petit tête du... général de l'Inquisition a été... Oh, oh non! Le tableau des totémisations quotidiennes fonctionne normalement. Attendez. On va résoudre ce problème-là rapidement. Dame Ned. J'ai oublié de brancher le câble. Ça va aller vite. Attention à tous les habitants de Port-Fouzol. Sur ordre du Grand Inquisiteur. Voilà. Chef suprême de tout ce qu'il souhaite, chef de la campagne contre les terribles sorts magiques. Oubliez de rebrancher la batterie du portable. Regardez bien ce petit poisson là. Faut attendre qu'il parle. Proclamation. Voilà. Pour l'amélioration de la société et pour la dégradation, la diminution et enfin l'anéantissement de la magie. À tous les citoyens les plus loyaux de notre ville de Port-Fouzol, autrefois pacifique et depuis très récemment corrompu. À savoir, à toutes les personnes. Alors normalement. Attends, par contre. Alors normalement, alors je vais vérifier, mais normalement j'ai mis Zorg Grand Inquisiteur. J'ai mis Zorg Grand Inquisiteur exceptionnellement ce soir parce que j'avais envie de changer juste pour ce soir. Mais merci de m'informer si jamais il y a un souci. Hop. Merci donc. Alors c'est comment c'est Mimesh qui me dit si je commence bien. Toute autre personne trouvée, soupçonnée. Avoir été de la catégorie, ouais, mais j'ai mis dans la catégorie. Nature, oh type, intention ou couleur. Attends, va vérifier. À d'autres pratiques surnaturelles, métaphysiques, cérébrales, alchimiques, oh prétentieuses et autres, ne sera pas toléré, respecté, ni invité à des fêtes. Y compris je l'avais changé, Dame Ned. Bah, merci de me l'avoir dit, hein. Sera, parce que en tout état de cause et en toute conscience, humilié, intimidé, persécuté. C'est dingue qu'il n'ait pas pris en compte quand j'ai lancé. Sera abusé, torturé s'il n'est pas trop tard. Je stream avec Streamlab. Bah ouais, bah merci en tout cas. Merci de m'avoir informé parce que ça m'aurait bien merdé, tu vois, alors que je faisais, voilà. Andromeda, ça reprendra. Alors peut-être demain soir, sinon maximum mercredi. Mais ce soir, en fait, je me suis tapé presque 8 heures de route. Alors. Ce soir, je vais me détendre avec un petit jeu bien rigolo qui me prend pas trop la tête. Enfin, pas prendre la tête, mais voilà. Et c'est un jeu donc du coup de 98. Mais en tout cas, merci. Alors, Mimesh, je sais pas si c'est comme ça que tu prononces. Je m'excuse si je le prononce mal. Mais merci de m'avoir informé parce que bah, j'avais fait pourtant ce qu'il fallait par Streamlab, mais ça n'a pas pris en compte. Le pasteur du désastre, la puissance suprême, le grand inquisiteur de Zork. Alors, et non, on peut pas tuer le mec qui fait. Alors là, ça, c'est parce que ça me fait rire. Voilà. Vous cherchez à pêcher quelque chose en particulier? Parce que vous voyez, je suis un poisson. Et vous, eh bien, vous pêchez. Alors je vous demande. Vous voulez un bout de ma mâchoire, espèce d'âne? Ou d'un S, c'est difficile à dire. Vous ressemblez tous. Parce qu'on est des casse-couilles. Ah, rien m'amuse, ouais, mais avec ce jeu-là. Vous allez voir, il y a Bénédicte, l'acteur. Vous habituez à la mer, je vais vous demander gentiment. Ne fourrez pas votre hameçon dégoûtant sous mon nez, d'accord? Il y a Bénédicte, celui qui joue dans l'agence Tourisque et dans Galactica, qui est dedans. On va le voir là bientôt là. C'est juste que je tape trois fois le truc parce que ben c'est des petits trucs en fait. Voilà. Il a trois phrases le poisson, donc voilà. Je crois que vous n'avez pas bien compris. Peut-être que nous ne parlons pas la même langue.
C'est complètement con. Alors, allez. Du coup, on va aller dans l'inventaire ici. On va prendre le plastique parce qu'on est des pollueurs. Quelles sont les 1200 étapes de l'indépendance dans l'ère post-magique ? Et là, par contre, vous allez voir. Je préfère une scène d'agonie. Merci, Yorick, d'avoir passé le poisson-ci. C'est des trolleurs de poisson peut aller au diable. Moi, je veux pas d'ici. Voilà. En fait, c'était ça qu'il fallait. Alors oui, hein, c'est extrêmement pixelisé, comme vous pouvez le voir, c'est... C'est vieux, hein, voilà. Vieux, vieux jeu, hein, la HD, ça existait même pas à l'époque, hein. On avait des tubes cathodiques, hein. Proclamation ! Pour l'amélioration de la société ! Et pour la dégradation, la démolition et enfin l'anéantie. Par ma foi. Mais c'est une véritable lanterne. Elle ressemble à celle que j'avais lorsque j'ai tué ce troll avec mon vieux couteau rouillé dans l'aventure du Grand Empire Souterrain 4. C'est pas facile d'obtenir ces choses-là de nos jours. À part la courtoisie lumineuse de Frobos électrique, il ne me reste pas grand-chose. Ah ! Allez, je l'empoche. Allez, ne vous gênez pas, j'en ai volé une pleine caisse à l'Inquisition. Enfin, je veux dire que je connais un type qui connaît un autre type qui en a volé une pleine caisse à l'Inquisition et me l'a vendue. Où est donc passée ma clé? Ah. Bah. On prend un cigare. Hop. Et on se casse. On dirait cette lampe en a vu toutes les couleurs. Elle est recouverte de carbone et... Il suffit de... Ah, la fameuse... Qu'est-ce qui l'a fait briller comme ça ? Époque des point and click. Vous sentez ? C'est du Spence Weed. Je crois pas que c'est du Spence Weed. Mais ça me fait tellement marrer. Eh oh ! Laissez-moi faire. J'espère que personne ne vous a vu avec cette lanterne. Oh, ce n'est pas la peine de me regarder comme ça. Je ne suis pas un aventurier, moi. J'ai juste joué le rôle dans un feuilleton télévisé. Même si vous me payez, je n'arrive même pas à sortir d'un labyrinthe. Enfin, si vous me payez bien, je pourrais peut-être faire un effort. Cette lampe est magique. Il a fallu du temps, mais je l'ai su dès que je l'ai vue. Faites-moi confiance. Vous n'en voulez pas? Alors fichez-moi le camp! Allez! Et maintenant, en fait, du coup, bah, il faut à nouveau récupérer cette lampe. Voilà. Alors, du coup, ouais, vous allez voir, hein, je connais quasiment le jeu par cœur. Au feu ! Au feu ! Voilà. Oh, vous étiez seulement censé le fumer. Ah ah! Arrêtez ce vandale! Mais ils sont complètement fous, ils m'ont coincé. Vous pouvez lui lire ses droits! Vous n'avez aucun droit. Vous n'avez aucun droit. Vous êtes en train de... Ça fait longtemps que je vous admire. Vous vous rappelez la fois où vous avez tué le type qui avait volé toutes vos affaires? Très bien, vrai tout, c'est pas difficile, mon pote. C'est un coup d'enfer, bien joué. Je peux lui taper dessus? Hey! Je pense que dans cette situation, une bonne petite rouge ne lui ferait pas de mal. Vous avez carte verte? Ah, j'ai l'honneur de frapper Antonia Jack, les gars du quartier général n'entreront pas leurs oreilles. Oh. Alors là, je peux pas te dire que le coup, parce que, en fait, grosso modo, le jeu est quand même vieux, quoi. Hein, on parle d'un jeu du siècle dernier, littéralement. Et je sais même pas qui c'est qui fait les voix, quoi. C'est pour te dire.
Hey, merci de m'avoir repêché car je n'aurais pas survécu encore une autre saison. Et merci aussi de m'avoir débarrassé de cet horrible Jacques. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Mais pour les politesses, il faudra attendre. Faites-moi sortir d'ici avant que l'on me trouve. Oh, il me casse les couilles, Steam! Oh! Pas possible, ça! Alors, je fais tout à la souris parce que... Comment dire... Oui, oui, tout à fait, ouais. C'est vraiment dans cet esprit-là. C'est un jeu style Monkey Island. C'est du point and click. Tout à fait. L'exposition Les périls de la magie qui se tient dans le quartier général de l'Inquisition a été fermée provisoirement. Toutefois... Et ce jeu-là, j'ai dû le faire je ne sais combien de fois. Je vous cache pas, je l'ai fait un truc... je sais pas. C'est des dizaines et des dizaines de fois hein, que je l'ai fait le jeu. Il y a un peu le même esprit dans l'humour, voilà. De l'humour drôle, quoi. Un truc pas violent et tout. Ouais, oui, ouais, tout à fait, ouais. Le grand empire souterrain. Voilà qui est mieux. Je m'appelle Dalboz. Dalboz de Gur. Mais il m'appelle le maître du donjon. Ou plutôt, il m'appelait comme cela avant que je ne me retrouve coincé dans une lampe. Je n'ai plus grande importance maintenant, mais il y a 100 ans, j'étais renommé. Ensuite, la magie fut bannie, et Yannick, le grand inquisiteur, m'a bombardé de magiticides froboses électriques. Je me suis retrouvé brutalement en dehors de mon corps, flottant vainement, et j'ai fini dans ce dépotoir. C'est ce qui m'amène ici. Comment vous appelez-vous ? D'accord, je vous appellerai donc l'aventurier culturellement ambigu, sans âge ni visage et asexué, Aka Sanva, en bref. J'adore ce passage-là. Vous devez m'aider. Rien de bien compliqué. Il suffit de sauver l'Empire, de restituer la magie, et s'il reste du temps, de prendre une petite revanche. Je suis un peu à court de ressources en ce moment, mais je connais la personne qui pourrait nous aider. L'enchanteresse Igaël. Elle est un tantinet à côté de la plaque. Mais en matière de sort, elle en connaît un bout et, si l'on sait bien l'apprendre, elle fait des réductions. On l'appelle ? Je m'appelle Igaël, l'enchanteresse perdue de l'Empire. J'ai été transportée sur Zork par les plans sublimes d'Atrium. Oh, je ferai bien répondre, vous permettez ? D'accord, j'irai droit au but, cet appel vaut de l'or. Ah. J'ai une bonne nouvelle, il existe 3 reliques magiques. Des reliques suffisamment précieuses pour rétablir la magie dans l'Empire. La mauvaise nouvelle est que ces reliques sont sans doute perdues ou détruites parce que, adieu la magie, partie. Taisez-vous! Prenez ce livre de magie, aventurier. La magie se dissimule dans l'Empire souterrain. À vous de la trouver, mais pour ça, il faut ouvrir l'œil. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit ? C'est un livre de magie. Bon, je vais vous faire un petit récapitulatif. Il existe 3 types de magie. La magie suprême et la création, la moyenne magie, l'illumination, et la magie profonde, la transmutation. Vous recueillez des sorts peu à peu et vous les mettez dans votre livre de magie. Nous allons en rencontrer sur notre chemin. L'Empire souterrain regorge de parchemins de sorts, mais je ne me souviens plus où il se trouve exactement. Allez. Donc là, normalement, on a nos sorts, vous voyez. Alors, attendez, on va regarder, hein, parce que du coup... je crois que c'est échappe. Inventaire. Alors attendez.
Il y a une touche. Hein. Sac. Je cherche le bouton en fait qui me permet d'accéder à mon sac. C'est merde, c'est comment on fait déjà? Ah bah voilà. Ok, donc du coup voilà, on a le sac, on peut les voir les trucs. Donc on a avec Voxam, divise les énergies différentes. Resolve ouvre les portes fermées ou enchantées. Igram rend les objets violets invisibles. Il me semble que c'est tout ce qu'on a en magie pour l'instant. Voilà. Donc en fait, c'est juste à... Comment j'ai fait tout à l'heure? Comment j'ai fait? Bon, c'est pas grave. On va aller voir déjà dans le seau, voilà. C'est un objet courant utilisé tous les jours dans le métro. Et bien sûr, il se trouve dans un seau au fond d'un puits. Comment j'ai fait mon compte? On va vérifier, hein. C'était quoi? C'était dans les derniers que j'ai fait? Je sais qu'il y a un bouton pour faire l'inventaire dans le jeu. Attendez, je vais regarder sur le net, vite fait. Allez, donne-moi internet. Touche. Inventaire. Zork. Grand Inquisiteur. Inquisiteur, que c'est bon. Hop. Oh là, alors. Passant, Romel. Restaurer en... Alors, on peut déjà enregistrer la partie. Alors, attendez, j'ai une annonce là, je regarde. Juste une minute, c'est quoi ça? Je sais pas ce qui se passe. Bref. Alors, voulez-vous préalablement sauvegarder? Oui ou non? Bah oui, oui, je veux sauvegarder. Ah d'accord, bah j'ai fait T, ça a enregistré, c'est bien. Hop. Bon, on peut toujours aller faire le sort. Le sort c'est ici, hop. Donc c'est la clé. Red Rock. Bingo! Sésame, ouvre-toi. Voilà qui est bien jeté. Station croisement du grand métro souterrain. C'est un peu comme une invitation à une visite touristique, n'est-ce pas? Le pire, c'est que je l'ai fait tout à l'heure. Puis là, d'ailleurs, vous voyez, là, on va utiliser un autre sort. L'arbre parapluie insaisissable. Son nom vient de ses fleurs en forme de parapluie. Hé hé, regardez, l'une des fleurs contient un sort.
Mais on peut pas le récupérer pour l'instant parce que, ben, voilà. Pareil, les voilà. Indispensable du parfait aventurier. Ça pareil. Il faut bien lire. Regardez, allons-y. Voyez. En cas d'aventure, brisez la vitre. Donc on peut pas briser la vitre, mais on peut ouvrir. On peut pas choper l'épée ni la carte, mais. C'est coincé. On peut prendre le marteau. Oh. Et voilà. C'est débile. J'aimerais bien. Tiens, j'étais persuadé que c'était une des touches. Peut-être que c'est une de ces touches là. Ça, c'est étrange. Hein. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, c'est clic droit sur l'écran. C'est bon, j'ai trouvé. C'est bon, bah c'est parfait. Hop. Donc, vous voyez, hein, on a un joli dragon, donc ça nous permet de remonter s'il faut. Faudra récupérer la corde plus tard, en fait, quand on aura le sort qui nous permettra. Un autre vestige de l'Inquisition. Et voilà. Ce alors. Petit souvenir tarabiscoté s'appelle un totem. Il renferme l'esprit emprisonné d'une créature magique. C'est moins cher et plus facile que la torture. Et en plus, il ne prend pas beaucoup de place. Qu'est-ce que c'était? J'ai bien entendu. Salut! Qui que vous soyez? C'est moi, Dalboz. J'ai été chassé de mon corps par le grand inquisiteur et me suis retrouvé coincé dans une lampe. Pourtant, voilà, si ça va, le son, Golku. Mais comment vous ont-ils retrouvé? Ben quoi, je me mêle de ceux qui me regardent. Je me promenais tranquillement dans la forêt près de Fouzel lorsque je me trouve encerclé par une troupe féroce. En fait, il s'agissait plutôt d'une phalange constituée d'environ 100 gardes de l'Inquisition. Pas les gardes classiques, petits et sans danger, mais de vrais monstres de garde. Ils s'y sont mis à 50 pour me maîtriser. Qu'est-ce que c'est, cette petite chose insignifiante? L'avorton décharné et cailleux d'un poisson? Qui ose parler au grand dragon de l'Empire avec une telle insolence? Vous serez brûlé par le feu de mon gourou. Pitié, monseigneur. Cache tes yeux. Mon regard est terrible. Je suis un dragon. Enfin, une sorte de dragon. Un dragon accommodé, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous osez me regarder dans les yeux, je vous transforme en gelée. En gelée, espèce d'imbécile, en pierre. Oui, pardon, en pierre. Je vais t'amuser, Avorton. Oh, chef, tout va bien. Et voilà. Pas facile. Alors, vous êtes hors service, hein? Je suis certain que cela ne fait pas peur à ce gentil aventurier d'en prendre un peu plus sur ses épaules. Merci. Merci beaucoup. Alors... Là, on a le métro, il me semble. La salle des sorciers. On va d'abord aller par là, je pense. Cet endroit semble familier. Les épaisses broussailles empêchent tout déplacement vers l'est. Ah ah ! Allons tout droit, alors. Direct dans le feuillage. Mes outils de jardinage. Pelle, manuscrit, manuscrit, pelle. Donc, fais pousser la végétation. Voilà. Ah, je me rappelle plus à quoi sert la pelle. C'est ma maison. Et voici mon jardin. Je suis chez moi. Chez moi! C'est une vraie gueule de loup. Il a vraiment besoin d'un calmant. Attention! Ne vous approchez pas trop.
Voilà. Est-ce que j'ai une tête à ingurgiter de l'hydromel allégé? Il en faudrait trois fois plus pour me faire bouger. Non pas que les magiciens de cet univers utilisent ou interdisent l'utilisation d'alcool ou de toute autre substance susceptible d'affecter l'esprit sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit. Eh, hey, mon petit, c'est le système de sécurité de la maison, du maître et du donjon, c'est... Alors, on va mettre le cigare... Ah, rien de tel qu'un bon vieux cigare. Voilà. Et donc... Ah, la station de télétransport, le moyen le plus rapide de se déplacer sous terre. Bon, là, on a pris déjà ce qu'on avait besoin de faire. Ah ouais, c'est... Alors, je sais plus du tout comment on fait. Je ne sais plus. Alors, peut-être ça. Red Rock. Tout simplement. Eh bah oui, maintenant tu sais pourquoi. On a des énigmes. Si vous voulez entrer, il vous faudra tout d'abord réussir à l'examen d'entrée. Les trois piliers. Ils testent vos facultés de visualisation, d'identification de schéma et de clic. Ça se voit que je connais le jeu, dites-moi. Remets pas de la porte qui fume. Tu m'étonnes. Ah, je me rappelle plus trop quelle fenêtre c'est ça. C'est une fenêtre, ça c'est sûr. Et d'ailleurs... Getek, des terres de l'Est. Voilà qui ne me rajeunit pas. Les jours glorieux de l'enchantement. Je ne me souviens de rien. Hop. Comme vous pouvez le remarquer, l'université n'existe pas dans notre dimension spatio-temporelle. Elle se situe dans une dimension parallèle, appelée les plans sublimes d'Atri, que nous, sorciers, partageons avec les petits gâteaux, les anciennes étoiles enfantines et les gens qui ont des furets. Ça alors, des ordures gratuites. Hop! Et encore, la maison qui fume, elle picole aussi, hein. Un petit encas. Quel spectacle bienfaisant pour un aventurier épuisé. Je ne sais plus. Mais c'est peut-être un peu tôt pour aller par là. Hop. Et donc on va faire disparaître. Ygram. Et le couloir devient un petit passage. Et voilà.
Là, on a les casiers. Mais on peut pas les ouvrir pour l'instant, il me semble pas. Parce que il faut... la carte. Donc non, c'est pas ici. Je suis allé ici un peu trop tôt. Il faut d'abord que je récupère des thunes, il me semble. Et les thunes, on les récupère quand on va en station de l'enfer. Ah, attends. Dématérialisons-nous. D'accord ? Tech. Croisement. Voilà. Hop. Un jeton. Une fente. Mais comme j'allais justement vous le suggérer. Le métro souterrain. C'est le métro. C'est un soulèvement politique. C'est le métro et un soulèvement politique. Kendall. D'accord. Vous voulez prendre la ligne rouge, voilà qui est mieux. À moins que je ne me trompe, il vous suffit maintenant de choisir l'endroit où vous souhaitez vous rendre, d'attendre au bord du quai et d'adopter une position genre catastrophe imminente. Je crois qu'il faut aller en enfer d'abord. Il est de mon devoir de vous prévenir. Là, Nivan, tu vas pas t'en remettre. Avec le métro souterrain et qu'il... qu'il y a eu quelques réductions, puis d'autres encore. Et puis... voilà. Ils ne sont jamais parvenus à installer les freins. Ça dégage les sinus. Ah. Hé, hey, gras double, qu'est-ce que tu lis? Comment s'hypnotiser? Je crois qu'il a réussi. Ah oui. Alors, pourquoi j'enregistre là? Bah parce que du coup, on va essayer de faire le ce truc-là, là. Ce... mais on peut perdre. Donc, attention, coup... ce vieux singe vise haut. 500 Orkmids contre la damnation éternelle. Je veux dire par là que vous devriez peut-être sauvegarder. Alors, comment on fait? Ah oui, d'accord. C'est comme ça. On va y arriver. Crenons. On a réussi. 500 Orkmids.
C'était important, il fallait le faire. Je crois qu'on peut faire barrage 3 aussi. Ah, mais comme quoi, s'hypnotiser soi-même, ça peut amener à des conséquences gênantes. Hein. On va peut-être tourner un peu la webcam parce que je suis un peu plus vautré là. Totémisation ? Parfait. Si vous voulez être un amour, et signez cette confession. C'est juste une formalité pour confirmer que vous acceptez d'être attaché pour l'éternité et totémisé, etc., etc. Vous avez violé les lois et les conseils de l'Inquisition, etc., etc., etc. Sans problème. Très certainement. Mais... Oh, attendez, deux minutes, il y a une faute à la ligne 17C. Allez, ne faites pas d'histoire, signez ici. Non, non, mais attendez, regardez. Là où devrait y avoir « faites la queue pendant 3 heures avant d'être totémisé », il y a « flanqué un coup à l'inspecteur ». Ah, pardon. Oh. Oh. Je signe à votre place. Vous conservez la copie rose. Bonne journée, monsieur. Ah, je me souviens pourquoi j'ai toujours préféré le télétransport. Voici l'arrêt au célèbre barrage numéro 3. C'était l'attraction à l'époque. Vous y êtes, enfin, ça colle parfaitement. Et voilà, l'un des couronnements spectaculaires de l'or d'Inuite, tête plate. Qu'un trésor national vieux de 300 ans et irremplaçable est un maigre prix à payer. Félicitations! Numéro 57. 57. Allez, à vous, numéro 57. C'est tout? Juste à vous, numéro 57? Vous n'avez pas de documents à lire ou quelque chose de spécial à dire? Oui, je l'ai dit. À vous, numéro 57. Et vous entrez. Ah. Vous pourriez au moins me serrer dans vos bras. Mais c'est pas vrai! Ça recommence! Mais c'est impossible de travailler dans ces conditions! Alors, on vient de sauver la vie de Jack. Vous allez ou quoi? Mais j'ai pas toute la journée, hein. On reviendra ici parce que juste pour une connerie, en fait. Ah oui, on l'a tout sur, c'est bon. Construire un pont au-dessus d'une étendue d'eau. Hop, et là, si on revient là, regardez. Hop, on va prendre le sort. Oh. C'était rigolo. Inutile, mais rigolo. Voilà, c'est inutile, mais rigolo. Voilà, ça sert à rien pour l'instant, on peut pas, on pourra revenir ici. Non, faut choisir, du coup, c'est pas le monastère, ça doit être croisement. Hop! Pour l'instant, comment vous me trouvez ce petit jeu là? Je crois qu'il y en a pour 1h30 de jeu à peu près.
c'est là. Voilà. ~500 Orkmids. Mettons-les dans le petit sac plastique. D'accord. Alors, je sais plus lequel que c'est. Regardez, une crème glacée. Et regardez, il contient quelque chose de spécial. Ah, qu'en savez-vous? C'est un autre parchemin. Eh oui. Alors, attendez, je crois qu'il y a une boisson spéciale. Alors, attendez. Ces bonbons ne datent pas d'hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que c'est le 8e. On va voir. C'est ça. Non! Je ne supporte pas cela. Mais où cachiez-vous cela? Thermasoc de Frobos électriques. Nous ne fabriquons pas des choses qui aspirent provisoirement. Nous faisons des choses qui aspirent définitivement. Alors, je sais plus. Il va falloir qu'on aille voir. Rappel, les distributeurs réapprisonnaient le Gruedi. Soyez patients, il n'y aura aucun sans doute occasion ici. Prendra les bonbons. Ah, ok, on s'en fout. Le Cathlon, on s'en fout, c'est pas ça. Voilà, Zork, Rock et Cola, attention. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire enregistrer. Donc là-dessus, Ryodoka, yes, on enregistre. Et donc... Ah bah du coup je sais plus lequel que c'est. On verra bien. Pas ça. Parce qu'il y a une alerte. Attention, attention. La présence d'une boisson au cola a été détectée. Trouvons une bonne cachette pour ces cailloux. Ils vont exploser dans toutes les directions et je ne veux pas me trouver près d'eux lorsque cela va se produire. Attention, et voilà, attention. La crise est évitée. Voilà. Ouais, elle a picolé l'alarme. Alors on a 15 secondes à attendre, hein, c'est tout. 10, 9, 8, 7,
Regardez, c'est mon casier. Avec toutes mes affaires. Mes livres, mes papiers et mes... Bon, je crois que j'aurais dû laver ces shorts de gym. Alors, maintenant qu'on a la carte, voilà. Le sixième sens de ma lampe semble se réveiller pour me prévenir d'un danger. Oh, et votre épée luit également. Voilà. Alors attention, donc là, ça peut nous tuer. Allez! Levez-vous de mon pont, espèce d'imbécile! Vous avez gagné 86 points d'expérience et trouvé une potion curative. Oups! Ce n'est pas le bon maître du donjon. J'aime votre style. Bon boulot. Alors, je crois que c'est ça. Le vérificateur de sorts. Jadis, il fallait faire la... Le sort Obedil est trempé. Séchage en cours. Séchage terminé. Le sort Obedil est beau comme un sou neuf. Voilà. Vous remarquerez que battre une créature invisible à 6 épées n'a jamais été aussi facile. D'ailleurs, on peut créer des sorts, il me semble. Voilà, par contre, je me rappelle plus. Je regarde. Hop. On va regarder. Ah, j'ai les deux souris qui s'entremêlent. C'est un peu chiant. Transmogrification. Non, ça m'étonnerait que ce soit ça. Attendez. Contrôle F. Transmogrification. C'est pas ça. Alors, donc il va falloir créer un sort. Alors, hein. R, Ritek ou Samri. Donc Ritek, c'est réplication. Alors, il est où réplication ? Non. Interprétation. Ha 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 ha!
Ah, tu m'étonnes, oui, c'est un jeu complètement déjanté, mais c'est ça qui est bon aussi, quoi. C'est ça qui est génial. C'est que justement, c'est un jeu complètement ouf. Après, c'est interprétation, je crois. Ah non, c'est élu interprétation. Voilà. Et après c'est transformation. Transformation, c'est pas là, c'est ici. On sent que c'est ça. Le sort Bebort n'est pas encore imprégné. Imprégnation en cours. Imprégnation terminée. Le sort Bebort donne l'illusion d'un temps non clément. Je l'utilise pour les... Rien à voir avec le prénom. Alors, du coup, là, on a pas mal avancé, là, mine de rien. Hop. On va aller ici. Dématérialisons-nous. D'accord ? Insérer la carte. Allons faire d'abord. Là, on va aller au croisement. Hop. Ah. Désolé. C'est un vieux jeu, hein. Regardez. C'est l'automne. Le sort Zumdor triple les quantités de libations toxiques. La société de boissons alcoolisées Frobose Magicien en a régulé l'usage, si bien que vous ne pouvez pas le projeter dans votre livre de magie à l'aide du sort Gnusto. Là, je me rappelle assez bien du jeu, quand même. Mine de rien. Je me rappelle pas mal du jeu. Alors, vous avez l'image qui est un petit peu étirée, mais bon, ben... Je peux pas faire autrement, malheureusement. Cet endroit n'a pas l'air très sûr. Il n'était pas ici. Ah bon, moi je me suis trompé. Allez, à barrage numéro 3. Il y a deux trucs à récupérer, ça j'en suis sûr.
Ah bah voilà. Mais on dirait... Et oui, la mousse de Marayon. Il n'en reste pas grand-chose. Ouais. Parfait. Il y en a assez maintenant. Voilà. C'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais, moi. Je sais plus à quoi sert le couteau, mais bon voilà, je l'ai pris. Et là, du coup, on va ouvrir la porte. Maintenant, vous pouvez parler. 36 gloupes d'hydromel allégé hébéteraient le plus vif des esprits. Oh, bien sûr, vous en voulez. C'est bien triste. C'est pas ça ? Oui, si. Alors. Qu'en pensez-vous, hein ? Cet endroit est charmant pour les rencontres. J'ai toujours pensé qu'il pourrait servir comme centre de conversation. Ma chambre. Dieu sait les nuits que j'ai passées dans cette chambre, chaude, confortable, sûre. Seul, mourant d'ennui, misérable, regardant le temps s'écouler sur l'horloge. Après tout, cette chambre... Le château ambulant, comme il a grandi. Heureusement que je l'ai gardé à l'extérieur. Ma messagerie vocale. Un message. Oui. Quelqu'un s'est souvenu de moi. Oh. Ça fait au moins 100 ans. Bonjour. Je m'appelle Shona, des publications Gert. Nous achevons la dernière édition des recettes gargantuesques des gros et des sans-emploi. Et nous avons remarqué quelques confusions dans les spécifications du mélange au cacao. Tout d'abord, le fondant de la contrée des têtes plates est interdit et difficile à se procurer. Personne n'a assez de courage pour s'approcher d'un nid d'abeille. La barre de lard de humus glacé est absolument répugnante et personne ne sait ce qu'est Guinness Champ. Ah, des abeilles. Elles se feraient plutôt arracher les ailes que de se faire voler leur miel. Et... On va enregistrer parce que j'ai pas envie de... Je crois qu'ils ne vont pas aimer du tout. Sors la graisse pour commencer, sinon le miel va se figer. Sors la graisse pour commencer,
Sinon, le miel va se figer. Et voilà. Alors, il faut regarder le lit de recette exactement, parce qu'ils te disent... Comment faire ? Donc la machine à café, elle est là. Hop, on va prendre la tasse. Ah, il fut un temps où il suffisait de dire thé de Chine chaud. Il coupe en rondelles, en petits cubes. Parfaitement, mes amis. Ça fait à la fois mixeur et plante d'appartement. Tout ça en un. Je l'appelle l'orga-processeur. Cette recette, si je m'en souviens bien, permet de concocter presque une potion. Oh, cette odeur me rappelle quelque chose. Qu'est-ce que je faisais la dernière fois que j'ai senti cette odeur ? Je faisais quelque chose. Quelque chose de très important. Je buvais du cacao. Voilà, c'est ça. Et j'écrivais ce sort. Je l'ai appelé Patard, mais la Gilde n'a pas voulu l'enregistrer sous ce nom. Alors je l'ai appelé Yastar. Ça pourrait être toujours utile. Il vous permet de pénétrer dans le corps d'une autre personne, à une autre époque et dans une autre dimension. On ne peut pas l'utiliser pour la retraite, du moins pas dans cette dimension, mais peu importe, c'est quelque chose comme ça. Ça a à voir avec le temps. On l'appelle Yastar. Et voilà. Si je me souviens bien. Qu'est-ce que... Ça n'était pas ici avant. Ça ressemble à un pas de porte. Un pas que je n'aimerais pas franchir d'ailleurs. Ma chambre. Cette fenêtre donne sur mon lit de plantes à ressort, une sortie de secours organique, en quelque sorte. Hé, c'est louche, ça. Ce parchemin vient de faire une volte-face. Je sais plus. Alors, attends. Cela ressemble à un morceau de parchemin. C'est ce morceau-là qu'il faut que je mette de l'autre côté. Voilà. Et c'est Snavig. Je me rappelle, c'est Snavig. Par contre, je sais plus où c'est qu'on trouve le cachet. Parce que quand on est dans un miroir, tout est inversé, forcément. Voilà. Où c'est qu'il est ce cachet là ? Où c'est qu'il est le cachet ? Où c'est qu'il est le cachet déjà ? Putain. Je me rappelle plus. Ah, il était où ce cachet là ? Il faut lui donner un. Putain, c'est nul leur truc là.
Ouais, c'est pas ça. Il faut que je trouve. Il y a un truc. Il faut que j'ai pas pris. Il faut que je prenne pour endormir en fait la plante. Ça doit être Agutech, je pense. Je vois que ça. Non, c'est pas lui qui l'a. Non, ça, j'en suis sûr. Ça, j'en suis certain de chez certains. Non, non, Il y a un... Je crois qu'il y a un casier qui s'ouvre quand on appuie sur un des boutons. En fait, on peut ouvrir tous les casiers en appuyant sur un bouton, il me semble. Alors, attends, on va voir, on va vérifier si c'est ma théorie la bonne. Non, c'est pas ici. Hop, c'est ici. Admettons, maintenant on va aller voir. Je sais plus. Voyons voir. Il y a un des casiers. En fait, il y a deux casiers. Il faut peut-être mettre une pièce. On va vérifier. On va prendre une pièce. Voilà, c'est ça. Donc du coup là on a vu c'est 8, donc en fait il faut mettre les pièces pour trouver là où il y a le cachet. Je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Alors moi j'aurais une tendance à mettre le 11, celui où il y a les trucs avec gros nazes. C'est le casier de Yannick. Cette espèce de rat a partagé ma chambre pendant 3 trimestres avant de devenir le pasteur du désastre sur la terre ferme. Si je ne l'avais pas aidé, il aurait échoué dès le premier trimestre. C'est bon, on a récupéré. Je sais comment la voir maintenant. On a récupéré le... C'était dans le casier de Yannick. Yannick est l'inquisiteur, du coup, si on n'avait pas compris. Hop. Je savais bien. Je savais que c'était un cachet. Cela n'est pas juste. Efficace peut-être, mais pas juste. Eh ouais, c'est comme ça que veux-tu. On fout la gueule de loup, on prend le marteau, bim! «
Perfecto. C'est pourquoi les gens disent que les plantes sont le meilleur ami de l'homme. Ou peu importe ce qu'ils disent, car de toute façon, je ne connais personne. Vous avez les deux parties du sort. Mais vous ne pouvez pas jeter le sort Gnusto lorsqu'il est froissé comme ça. Vous devez le faire passer dans le vérificateur de sort. Eh ouais! Vous voyez, en fait, petit à petit, on avance. Pour l'instant, on avance, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de trucs. On n'a pas encore récupéré les trucs et tout. Mais un vérificateur de sort, ça va être celui-ci. Le sort Knavik est endommagé. Réparation en cours. Réparation terminée. Ah, Snavig, le sort qui permet de changer de forme en toute occasion. Joli coup. Alors. Faut aller où alors du coup? Je ne sais plus. On va aller en enfer. Je sais qu'il y a des trucs à faire en enfer. Vous entendez? Des milliers de voix qui se lamentent sur leur sort misérable. Ou peut-être ai-je des hallucinations? Regardez! C'est la ligne directe du commissaire. Merci d'avoir appelé le service téléphonique gratuit des enfers, qui est depuis la nuit des temps le meilleur moyen de passer de vie à trépas. Pour ignorer un message à tout moment, appuyez sur la touche 4. Ce service a été récemment amélioré pour garantir abus, mécontentement et incommodité, tout en vous conduisant, vous qui venez tout juste de mourir, jusqu'à votre destination finale. Avant de faire le grand saut, vous devez répondre à quelques questions simples en utilisant les touches du combiné. Appuyez sur 1 pour obtenir la liste des questions. Pour appuyer sur 3, veuillez appuyer sur 7. Pour écouter ces options à nouveau, rappelez et écoutez de nouveau attentivement. Je ne vous ai pas entendu entrer. Veuillez entrer de nouveau votre sélection maintenant. Appuyez sur 1 pour obtenir la liste des questions. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Bon, ça c'était juste pour vous montrer. Merci d'avoir appelé le service téléphonique. Ou appuyez sur la touche étoile pour mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux seulement appeler la navette, c'est trop demandé? Oui, appelle la navette. Il a pas appelé la navette. Merci d'avoir appelé le service téléphonique gratuit des enfers, qui est depuis... Ou appuyez sur la touche étoile pour mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux seulement appeler la navette, c'est trop demandé? Vous avez très bien répondu à toutes les questions.
Félicitations. Une navette va venir vous chercher pour vous emmener en enfer, où vous pourrez languir le reste de l'éternité. Je vous souhaite une journée d'enfer. Voilà. Charon, le rameur de la rivière Styx. Je ne sais pas comment il fait pour puer comme ça, mais alors, vraiment. Votre épée fait une blueur, le. Oh, oh, pardon. Six cent soixante-six. Très mignon. Alors. Arrêtons ces stupidités, d'accord? Vous connaissez l'histoire, c'est vous l'aventurier, moi je suis votre ange. Nous sommes des créatures de type ange gardien, deux têtes des enfers. Vous cherchez un trésor, des cristaux, des pages rouges, des pages bleues et toutes sortes de choses. C'est pareil de toute façon. Le fait est que vous voulez y échapper. Ils font toujours ça. Mais nous allons vous tuer. Nous faisons toujours ça. Ce n'est rien du tout, ça ne dure pas longtemps, jusque quelques chop chop chop, yada yada yada, et puis je répands vos entrailles un peu partout pour que ça fasse vraiment désordre. Faites-nous plaisir. Laissez tomber avant que nous changions d'avis. Bah, c'était pas une musique d'ascenseur, là. Je crois que c'est ça. Vous êtes transmogrifié dans ce clone. Mais non, c'est cool comme musique là. Vous déjeunez tôt, hein? N'oubliez pas de poissonner. Voilà. Eh oh! Bras guémés, caillou. Bras guémés, caillou. Caillou. Brog, pensez à caillou. Brog, pensez à caillou. Caillou, être bon. Bon pour le ventre. Salut, je m'appelle Dalboz. Je suis le type dans la lampe. La personne qui nous porte n'a pas encore décliné son identité, alors je l'appellerai simplement Akasanva. Oh. Ah. Ça lui va bien. Brog, être Brog. Brog, être Brog. Je n'y aurais jamais vraiment pensé. Alors, comment finirez-vous dans ce totem, mon gaillard? Jolie grotte. Grotte, être bonne cachette. Salut les boutons! Oh! Belle être jolie! Brog, trouver jolie cachette! Brog, en sécurité! Maintenant! Méchant, écrasez Brog dans chose! Brog, pensez! Brog, restez assis longtemps! Pensez aux cailloux,
Caillou! C'est pas bien de juger les gens comme ça. Oui, alors du coup, en fait, il faut que je trouve le sort. En fait, il me manque un sort, là, qui est important. C'est celui des... Il n'y a rien d'autre. Maintenant, vous nous ressemblez. Il y a une nette amélioration, mais ce n'est pas encore ça. Voilà qui est intéressant. Intéressant comme Jojo la gueule visqueuse. Surtout, on rentre gratuitement. Ça me dit pas par où passer, quoi. Ah, mais attends, si, je sais peut-être. Ah, je sais, il y a un truc qu'il fallait faire. Je crois savoir. C'est ça? Yes, dude. Ça ne marchera pas comme ça. Vous devez le jeter sur un totem tout en restant à côté d'un tunnel temporel. Attends. Pulvérisation. Simplification. Voilà, c'est rend le jeteur de sort sympathique envers les autres créatures. Il sait que vous êtes là, mais je crois qu'il ne vous aime pas. Je me souviens de ce château. Je crois qu'il s'appelle Hugues. Hugues le château. Et donc du coup, on va commencer avec... Hop ça. Narwhal. Alors je sais pas lequel endroit c'est ça par contre. Donc on va faire... Yes, dude. Je ne ferais pas cela si j'étais de vous. Vous risquez de ressortir en purée de l'autre côté. Yes, on va essayer avec le dragon. Tout con, hein, j'ai oublié. Bon, C'est la Maison Blanche, n'est-ce pas? Oh, et s'il y avait quelqu'un dans la maison? C'est que je ne veux pas me faire attraper, moi. Oh, bon, d'accord. Il y a un truc avec une lettre à mettre dedans. Oh, c'est volé, je...
Oups, j'ai presque oublié. Et voilà. Quoique, attends, normalement, on peut le faire à nouveau. On peut faire tout de suite avec Brock. Ça évitera de faire 36 000 allers-retours. Ça évitera de faire 36 000 allers-retours. Normalement, on le finit ce soir, hein, le jeu. Hein. Brock, pas aimé ici. Brock, avoir un peu peur. Je suis la torche tremblotante. C'est comme ça qu'on m'appelle. Et moi, je préfère m'appeler El Grande Croissant. Je suis une torche vacillante. Je vacille, et c'est très bien comme ça. J'ai peur des coups de poing, et je l'assume entièrement. Bon, d'accord, mais je vous aurais prévenu. Si j'aperçois une grue, je disparais, compris? Extinction complète. J'ai entendu dire que vous aimez bien les cailloux. Brock, mangez les cailloux. Pourquoi ne suis-je donc pas fait d'un bois de meilleure qualité comme les autres torches? Blanche, ferme mal à la maison. Laisse maison tranquille. Allez, ouste. Est-ce une grue? Est-ce une grotte toute noire? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Allez, salut mon pote! Je suis éteint! Nous faisons une bonne équipe, vous et moi, pas vrai? Je ne manquerai pas cela pour tout l'or du monde. Tant que vous resterez dans cette roue tout noire... Brock et mes bois, c'est tout! Alors, Brock et mes cailloux. Il me fait triper. Sage petite torche. Sonne comme une métaphore. Brock, pas aimé un format. Brock, pas aimé du tout. Moi, être Brock. Le vocabulaire de Brock est tellement extraordinaire. Un œuf de grue dure. Est-ce que j'ai mon mot à dire ici? Deux, ça devrait suffire. Je pense. On verra bien. Mais je pense que ça devrait être bon. Amusant de sauter comme ça dans tous les sens lorsqu'on en prend l'habitude. Je ne pense pas aux grues. Oh là là, les grues! Brock préféré comme ça. Facile. Puzzle intéressant. Brock malin. J'attends être ami de Brock.
Brock trouve une jolie maison pour Crâne. Fais dodo, cola mon petit crâne. Fais dodo, t'auras du cerveau. T'auras du cerveau. Ah, c'est la petite chanson qui va rester, ça. Fais dodo, cala mon petit crâne, fais dodo, t'auras du cerveau. Je sais plus, je crois qu'il y a... On peut plus aller par là, de toute façon. Par... Hop. Voilà. Hop. Ah ouais, que veux-tu, j'y peux rien, moi. Elle est quand même drôle. Quoi ? Je comprends pas. Hop. Vous avez du courrier. Ah bah voilà, je me rappelle pourquoi c'était, du coup. Ah, excellent. Absolument excellent. Ah, on y arrive petit à petit, on y arrive là. C'est bon. On a eu le sort pour démêler les nœuds. Vous voyez là, mine de rien, on a quasiment tous les sorts. Hein. À l'époque, on avait dû mettre une bonne après-midi pour faire le jeu, hein, mine de rien. Je crois que c'est celui-là. Hein. Oui. Ah, quel joli petit archipel! C'est exactement comme ça que j'imaginais les vacances. La fête, le soleil et... Ah, oh, j'ai oublié la crème solaire. Eh oh, il n'y a rien à boire par ici. C'est une pompe à air. Alors, pompons l'air. Le genre avec les petits parapluies. Je sais plus ce qu'il y a d'autre à récupérer. Il me semble que c'est. Mais c'est un dragon. Hello ? Hello ? Que se passe-t-il là-haut ? Une noix de coco, par exemple. Oui, la noix de coco de Kendor. Je l'ai cherchée partout. En fait, puisque vous êtes là, vous pourriez peut-être m'aider. J'essaye de me faire une pina colada en bas et je n'ai pas tous les ingrédients nécessaires. Il faut que je cours au magasin pour aller chercher une noix de coco. Et si je vous jette une corde, vous pourriez l'attacher à la dent du dragon et ainsi je pourrais me hisser à l'extérieur. C'est bien une corde. Merci mon pote.
Je ne m'attarderai pas sur le sujet, mais je pense que... c'était complètement stupide. Ah non, il faut vraiment être complètement débile pour dévitaliser de façon aussi impromptue la dent d'un dragon pendant qu'il dort. Ça ne se fait pas, voilà tout. Hé, ça c'est super. Vous avez attrapé la corde ? Eh oh ! Bah, ça alors ! C'est étrange ! Je ne m'attarderai pas sur le sujet, mais je pense que... c'était complètement stupide. Voilà, on pose la dent. Je sais plus où c'est la tête. Non, c'est pas là. C'est là, là. Où c'est qu'il est le machin? Je m'en rappelle jamais. Je crois que j'ai raté. Ben merde, je me rappelle plus, c'est un truc de ouf. Moi, j'étais persuadé que c'était sur le côté. Faut retrouver en fait le comment on appelle ça? Le canot. Je crois que j'ai fait une connerie. Attendez, on va recharger. Là, oui, non. Faut retourner dedans. Ok. Hello ? Hello ? Que se passe-t-il là-haut ? Une noix de coco, par exemple ! Oui, la noix de coco de Kendor ! Je l'ai cherchée partout ! En fait, puisque vous êtes là, vous pourriez peut-être m'aider. J'essaye de me faire une pina colada en bas et je n'ai pas tous les ingrédients nécessaires. Il faut que je cours au magasin pour aller chercher une noix de coco. Et si je vous jette une corde, vous pourriez l'attacher à la dent du dragon et ainsi je pourrais me hisser à l'extérieur. C'est bien une corde. Merci mon pote. Allons. Il faut vraiment être complètement débile pour dévitaliser de façon aussi impromptue la dent d'un dragon pendant qu'il dort. Ça ne se fait pas, voilà tout. Je ne m'attarderai pas sur le sujet, mais je pense que... Ah oui, que tant qu'en fait on a la... C'était complètement stupide. Tant qu'on a la noix de coco, en fait, il ne nous laisse pas sortir. C'est pour ça qu'il faut faire comme hey, ça. Ça c'est super. Il pourrait bien y avoir quelque chose là-dedans. Mais je me suis trompé, J'ai crevé le mauvais truc, donc du coup on a perdu la noix. Eh oh ! Eh oh ! Vous avez attrapé la corde ? Eh oh ! Bah ça alors ! C'est étrange ! Et tout ce qui monte doit nécessairement redescendre. C'est une loi de la nature. Ah ! Non, c'est pas le canot qu'il faut crever en fait. Il suffisait de faire quelques zigouillis à ce terrible dragon, de voler jusque dans sa gueule
d'envoyer un gars en mission suicide et de larguer le capitaine gonflable dans sa narine. En fait, il fallait... j'ai crevé le canot, je suis allé trop vite. Je voulais pas crever le canot, je voulais... Ça, c'est ce que j'appelle une entrée. Je voulais crever le... Pas mal du tout. Le soldat, présent, le gars, en fait. À présent, mettons ce truc machin chouette dans le chouette machin truc et parons-nous. D'accord ? Tada ! Bien joué, petit gosse. Et ouais, et comme j'ai crevé le mauvais truc, il a fallu que je recharge. Entre-temps, retour à l'Inquisition. Ils sont descendus dans la rue pour protester, vous savez. On parle même d'une rébellion magique. Imbécile, si seulement ils savaient vraiment à quel point... Je m'en moque. Est-ce que... Vous avez seulement essayé de leur parler ? Oh, tout est si confus. Et en plus, ce n'est pas tout. Je viens de tuer mon compagnon de chambre. Enfin, du moins, je crois. Apparemment, un imbécile le trimballe dans les sous-sols dans une lampe magique. Et puis... si mes hommes... ne le trouvent pas très vite, ils pourront bien tout ruiner. Allons. Arrêtez de pleurer, monsieur l'Inquisiteur. Appelez-moi Yannick. Vous croyez avoir la poisse ? Qu'est-ce que je devrais dire ? J'ai laissé l'amour de ma mère me filer entre les doigts dans un jeu stupide de grue, feu et eau. Au moins, vous aviez un amour. Je ne connaissais même pas son nom. Oh, je crois que je vais mettre à pleurer aussi. Écoutez, je ne voulais pas vous le dire, mais maintenant que je vous vois dans cet état, je vais vous indiquer où vous pouvez trouver cet imbécile avec le type dans la lampe. Alors, ça va mieux maintenant? Oh, Jack, vous feriez ça pour moi? C'est en deux mots. Tunnel temporel. Vous n'avez jamais eu l'aventure du Grand Empire Souterrain numéro 3? Les tunnels temporels. Mais bien sûr. Merci mille fois, Jack. Ah, de rien. Reprenez-vous maintenant, voulez-vous? C'est vraiment embarrassant. Ah oui, bien sûr. Je suis désolé. Voyons, vous donc pas ces styrons diaboliques que vous êtes. Allez, faites-le. Ne soyez pas timide. Montrez-moi comment vous faites la tête du méchant. Voilà. Très bien. Garde. Apportez-moi le titilleur de l'Angus électrique Frobozy. Espèce d'imbécile pathétique. Je me reconnais enfin. Le titilleur de Angus. Voilà. Maintenant, vous nous ressemblez. Il y a une nette amélioration, mais ce n'est pas encore ça. Et voilà. Bah, il nous reste plus qu'un élément magique à récupérer. Et du coup, on sera bon. Ça fait déjà 2 heures de live, hein, mine de rien. Mine de rien. D'habitude, je le finis plus vite que ça. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir traîné, hein. Nous sommes en sécurité ici. Même si nous parvenions à sauter, nous serions arrêtés en quelques secondes.
Hop. Cette épée est l'œuvre d'un Elvin, le joujou de l'aventurier standard. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. C'est quand même pratique comme ascenseur, non? Non? Trouvez pas? Hop, oui, c'est ça. On est vraiment pas loin du... de la fin du jeu. Eh bien, bravo. Comment allons-nous monter maintenant? Très malin. J'espère que vous allez pouvoir grimper maintenant avec tout le barda que vous avez. Vous voyez, nous pouvons vivre cette grande aventure, rien que vous et moi. Et nous... j'ai comme un mauvais sentiment. De la surface de Murs vers Newark, New Jersey, vers le fourneau, tout droit aux enfers. Moi je dirais vers le hall de l'Inquisition. Vous ne vous souvenez pas des signes de Port Fuzzle? C'est cette machine à totémiser. Elle fonctionne de nouveau. Ils ont dû découvrir. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ce bouton, hein? Vous n'allez pas le tirer, n'est-ce pas? Merci. Je crois que j'ai bon. Et j'ai enregistré avant au cas où parce que je suis pas sûr. Ah, je crois que j'ai oublié de faire un truc. Je suis pas sûr d'avoir bon là. Je suis vraiment pas sûr d'avoir bon. C'est vraiment gênant. Bah oui. Je me suis rendu compte d'un truc. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ce bouton, hein? Vous n'allez pas le tirer, n'est-ce pas? Je crois qu'il fallait enlever ça, donc cette petite lumière-là. Vous croyez que c'est ce que ces saligots de l'Inquisition veulent que nous fassions? Vous croyez vraiment que cette vermine à moustache serait d'accord? En tout cas, c'est bien le hall de l'acquisition. Et là... Très instructif, mais aussi très perturbant. Désolé de ne pas pouvoir vous aider. Nous n'avons pas abordé ce sujet en classe. Kindle. On va essayer, on verra bien. J'ai enlevé la lumière jaune, on verra bien. Un truc à faire, ça j'en suis sûr.
On va tester, on verra bien. On va faire espace. Mais vous êtes assis sur ma tête. Et voilà. Merci. Lorsqu'ils m'ont laissé dans la poubelle, je croyais que je ne pourrais plus jamais en sortir. Oh non! Vous êtes aussi des totems! On s'est fait complètement écraser! Qu'avez-vous fait? Je faisais partie de la résistance. Vous savez, l'Empire souterrain magique. Il y a une véritable révolution dans les rues. Oh! Quelqu'un ferait mieux de nettoyer cela. Vous risquez une lourde amende pour ce genre d'action. Voici une règle que je pourrais appliquer. Vous voulez parler de cette règle selon laquelle votre peuple régnait jadis sur l'Empire? Arrêtez cette tête plate! Arrêtez, vous vous trompez! Vraiment? Et comment ça? C'est difficile à expliquer. Votre moustache fait tellement... d'interférences. Vous êtes éreinté... et votre pantalon vous gratte. Et puis, vous allez totémiser toutes les créatures magiques de l'Empire. Moi qui croyais que l'oppression des gens tout à fait normaux vous occupait déjà à plein temps. Vous ne savez plus donner de la tête. Pour vous, j'ai tout le temps. Totémisez-la. Quoi? Pour un peu de peinture? Que vous fassiez avec votre télépathie. Les gens de votre espèce, comme tous ceux qui pratiquent la magie, sont en voie d'extinction. Amenez-la au totémiseur. Quoi? Sans potence? Sans supplice du chevalet? Quel inquisiteur de pacotille êtes-vous donc? C'est à cause de ce genre d'attitude que la maison des têtes plates a décliné. Venez déchu. Voilà. C'est pareil, il va falloir enregistrer. Parce que... hop. On dirait un dispositif de communication complètement saugrenu que les gardes doivent utiliser par ici. Yannick adore ses jouets, n'est-ce pas? Je crois que l'Inquisition a beaucoup trop de temps libre. Hop. Hop. L'histoire de Zork ne suivit que très rarement la chronologie jusqu'à ce que l'Inquisition ferme officiellement l'ancien réseau de tunnels temporels situé au-dessous de l'Empire. Sur Zork, les événements historiques ne se produisent qu'une seule fois. Et comme les écoliers de Gwendoran le savent, les antécédents n'existent pas. Et voilà. Narwhal. Hop. Et on va aller chercher le dernier totem magique. Vous voyez un petit peu, incroyable, n'est-ce pas? Cher Yoruk. Ah, oh, mon Dieu, que c'est bon de sortir de là et de s'étirer. Regardez, c'est Fozzel. Sans les barbelés et l'usiniforme rouge. Je me souviens de ces jours heureux, entre deux inquisitions. Y'a quelqu'un? Ouais! Vous en avez de la chance, c'est la soirée des dames. Entrez donc, réservez-moi une danse, hein.
Ça fait une éternité que je n'ai pas dansé. Attends, hop. Oh, montre-moi mes cartes. Ok, bon. Hop. Hop. Ah zut. Attends, zut. Alors. Donc, 2. On va prendre celle-là. 2. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est moins 2. 1. Et peu importe, en fait. Donc, 5. Est égal à 3. Voilà. Et ouais. Vous avez là? Oui. Qu'est-ce que j'ai gagné? Rien. Floyd! Oui, chef. En fait, vous avez gagné un privilège très spécial. Que voulez-vous dire? Suivez-moi. Salut. Comme il est mignon. Trop mignon. Si mignon que c'en est suspect. Je m'appelle Jack. Vous savez, Antaria Jack. Vous vous souvenez sans doute de moi, j'étais dans le feuilleton... l'équipe Z. Je le savais. Quel petit... Pour l'équipe... Pour A-Team. Vu qu'il a joué dans A-Team. Je veux dire, je m'attendais à voir un petit prétentieux. Moi ? Nous allons jouer au jeu de Gru, Feu et Eau. Floyd ? Explique-lui comment on joue. Oh, il faut respecter les règles, absolument. Elles sont très simples. La grue boit l'eau éteint le feu et le feu effraie la grue. Quelle est la mise ? Floyd ? Explique-lui pour la mise. Oh oui, bien sûr qu'il y a une mise, en fait, vous la portez. Strip grue, feu, eau? C'est ça. Incroyable. Floyd. Attention! Du coup... Tu joues? S'il vous plaît, je vous en supplie. Dites-moi, Jack, ce petit jeu marche-t-il vraiment avec les femmes? Ne m'en parlez pas. Je suis lamentable. Pathétique, mais néanmoins mignon. Je suis lamentable. Ok, je veux bien essayer. Super. Mais il faut que je vous dise, j'ai encore jamais perdu de partie. Ah, la grue, créature insaisissable de la nuit. Ah, la chance du débutant. Vous n'enlevez pas votre chapeau ? Non, c'est comme une marque déposée. Ah, je croyais que c'était le cigare. Non, un cigare, c'est plutôt une habitude. On triche un peu quand même. Elle a chaud. Tiens, ça me donne une idée. Gru, feu... Gru, feu, gru... Feu. Donc l'eau. Dramatique. Elle va choisir l'eau, j'en suis sûr. Elle dégage une vibration d'eau. Bon alors,
Qu'est-ce qui est plus fort que l'eau déjà? Bah, c'est la grue. Donc on va faire le feu. J'hésite. Elle croit m'avoir. Eh bien, je vais lui jeter un peu d'eau dans les yeux, faute de poudre. Ça m'éclate. Allez, Jacques, concentre-toi. Prends-le calmement. N'attends plus, choisis le feu. Vous avez perdu, mon cher. Augmentez la mise. Oh, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous craquez? Qui? Moi? Absolument pas. Soyez pas ridicule. Oui, oui, je craque. J'ai autre chose, vous savez. Jack! C'est le cube du fondement, je l'ai cherché partout. Vraiment? N'est-ce pas génial lorsqu'un rêve se réalise? Oh, vous savez, toute cette histoire autour d'Antaria Jack venant d'un type en sous-vêtements. Mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, voici mon château. Je dois y aller. Au revoir, Antaria Jack. Je ne connais même pas votre nom. Ça, c'est des petites blagues à la con, mais ça fait toujours rigoler, quoi. Pourquoi a-t-il fallu qu'elle se trompe sur mon chemin? Waouh, ça en jette. Et en plus, c'est tout à fait correct d'un point de vue anatomique. Tout l'endroit semble dire « Regardez-moi, je suis magique, écoutez-moi rugir !» Voilà. J'admire vos ressources infinies, tout autant que j'ai pitié de votre ignorance. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis l'avenir. Et vous n'êtes plus. Tu peux balancer l'histoire dans les oubliettes avec le marchand de pacotille. Maintenant, nous allons assister à la fin tragique de la rébellion magique. Qui parle de magie à présent? Dites-moi. Non! Voilà, il faut que l'on s'en aille tôt aujourd'hui. C'est ça, ouais. Bien sûr. Jack, bien sûr. Nous pouvons partir. Oh, moi je veux aller à la maison pour voir ce truc que l'on appelle l'Inquisavision. Oh, c'est ennuyeux. Vous, vous savez ce qu'ils m'ont fait à cause de vous. Vous avez jamais vu un Angus en brochette? C'est pas joli à voir. Le tunnel temporel? Mais de quoi voulez-vous parler? D'accord, je lui ai tout expliqué sur les tunnels temporels. Le pauvre type pleurait. Alors j'ai paniqué. Oh, allons. Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. De toute façon, il vous aurait retrouvé tôt ou tard. Tenez. Mouchez-vous là-dedans. Non, c'est pas ça. Thank you.
Oh merde! Ah, est-ce que j'ai beaucoup à refaire ou pas? Ah là là, je sais pas quand c'est que j'ai sauvegardé! On va tout passer, hein. Ah là là, quel imbécile! Un dispositif de communication complètement saugrenu que les gardes doivent utiliser par ici. Yannick adore ses jouets. On va tout sauter, hein, je vous rassure, on va aller vite. On va aller vite. Je crois que l'Inquisition a j'ai beaucoup complètement trop de zappé la cam. L'histoire de Zork ne suivit que très rarement la chronologie jusqu'à ce que l'Inquisition ferme officiellement l'ancien réseau de tunnels temporels situé au-dessous de l'Empire. Sur Zork, les événements historiques ne se produisent qu'une seule fois. Et comme les écoliers de Gwendoran le savent, les antécédents n'existent pas. Oh, quelle andouille! Yes, dude. Mais qu'elles sont à fleurs, c'est même pas la peine d'espérer, Nivan. Alors là, tu te plantes, hein. Cher Yoruk. Ah, mon Dieu, que c'est bon de sortir de là et de s'étirer. Regardez. C'est Fozzle. Sans les barbelés et les uniformes rouges. Allez, dépêche-toi. Je me souviens de ces jours heureux. Entre deux inquisitions. Y'a quelqu'un? Ouais. Ça fait une éternité que je n'ai pas dansé. Oh, Jacques, tu n'es qu'un menteur. Ok, je veux bien essayer. Super. Mais il faut que je vous dise, j'ai encore... Elle a chaud. Tiens, ça me donne une idée. Ah, le feu est une valeur sûre. Allez, petite grue, achète une nouvelle paire de grues pour ton joli papa. Elle regarde le cigare. Oui, elle le fixe bien. Elle a le feu en tête. J'hésite. Elle croit m'avoir. Eh bien, je vais lui jeter un peu d'eau dans les yeux, faute de poudre. Elle va choisir l'eau, j'en suis sûr. Elle dégage une vibration d'eau. Bon alors, qu'est-ce qui est plus... Elle regarde le cigare. Oui, elle le fixe bien. Elle a le feu en tête. Vous êtes... Waouh, ça en jette. Et en plus, c'est tout à fait correct dans... Voilà. On allait vite, hein. Vous savez ce qu'ils m'ont fait à cause de vous. Vous avez jamais vu un Angus en brochette? C'est pas joli à voir. L'Inquisavision? Non, c'est ennuyé à mourir. Ouais, de toute façon, il faut que j'aille arroser mes plantes. C'est ça qu'il faut que je fasse. Hop. Eh bien, amuse-toi bien. À plus tard. Salut. Au revoir. Les tunnels temporels? Mais de quoi voulez-vous parler?
D'accord, je voulais tout expliquer sur les duels temporels. Le pauvre type pleurait. Alors j'ai paniqué. Oh, allons. Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. De toute façon, il vous aurait retrouvé tôt ou tard. Tenez, mouchez-vous là-dedans. Attendez, je regarde un petit peu. Ça va. Franchement, on s'en sort plutôt pas mal. Et ça lag pas. Ça ne lag pas. Alors. Et ouais, à l'époque, pas de sauvegarde automatique. Hein. Et voilà. Et voilà. Vous m'avez vu là-bas? Je leur ai joué tous mes tours. Il faut dire qu'il y a un nouvel aventurier en ville. Je connais ce château. Il était là ce jour-là avec elle. Allez, on est presque à la fin, là. Presque à la fin. Fusilien, Jean de Fouzol. Aujourd'hui, citoyens, je vous donne le remède étonnant qui saura soigner l'ennui de votre vie mondaine. J'ai entre mes mains le détonateur qui va envoyer la magie vers le fin fond des oubliettes. 5000 chaînes, une image dans une image dans une autre image. Je m'appelle Igaël, l'enchanteresse perdue de... Je l'ai déjà dit, ça. Alors, dépêchez-vous, vous devez sauver l'Empire souterrain. D'accord. Merci, car j'étais sur le point de rentrer à la maison. Mais vous ne comprenez rien. Quand allez-vous nous débarrasser de cet horrible inquisiteur? Vous pourriez être un tantinet plus clair. Écoutez, vous possédez les trois trésors de la haute, de la moyenne et de la petite magie. Ils suivent un ordre spécifique. Faut-il que je vous fasse un dessin? La haute magie, coucou, vous me recevez? La tour émettrice est le point culminant du Fouzol. Avec ce parchemin, vous pouvez arriver au bout de votre quête. C'est tout ce que je peux vous dire, car... C'est tout ce que je sais. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que je sais tout ce que j'ai. Vous prenez la tour. Là, j'ai le vertige. Coupez ce câble et je vous enveloppe directement.
Ok. Nous sommes de retour. Nous avons les trois objets et on dirait que nous avons atterri exactement là où il fallait. La maison des têtes plates. Pourquoi ? Il y a seulement quelques jours de cela, j'ai reçu une demande de brevet de la société Froboz Électrique pour un système de refroidissement de boissons en forme de cube qui pénétrerait dans la boisson et refroidirait le liquide de l'extérieur. Avec l'arrivée de l'Inquisition, l'Inquisition veut contribuer à infiltrer une idéologie apaisante et puissante au sein et de voilà. Votre famille. Dans votre foyer, donc là, on a tous les sorts qui ont été inversés. Chaque jour de l'année. Nous espérons que vous apprécierez les mélodies mélodogmatiques de l'Inquisition Musac lorsque vous ferez la vaisselle, votre lit ou que vous enlèverez la poussière sur le buste de l'Inquisiteur. Tout l'intérêt de l'Inquisition, c'est que c'est un système bon marché et facile à utiliser. Attention, cette tente est remplie de gardes personnels du Grand Inquisiteur. C'était facile, trop facile. Hop, on enregistre parce que c'est la fin. De quelle technologie sophistiquée avons-nous pu profiter dans les 100 dernières années qui ont suivi le déclin de la machine ? Nous avons certes faut que je rappelle qu'elle est avec Xenoxidil. Nos voilà. Lumières sont allumées et éteintes par les objets invisibles violets. Nous avons des lance-salades, des mixeurs de granola et des couteaux qui peuvent découper le point de Pas mal. Et une tomate. Mais elle est encore électrifiée. Pourquoi ? Il y a seulement quelques jours de cela, j'ai reçu une demande de brevet de la société Froboz Électrique pour un système de refroidissement de boissons en forme de cube incroyable. Qui pénétrerait dans la boisson et refroidirait le liquide de l'extérieur. Avec l'arrivée de l'Inquisition, l'Inquisition peut contribuer à infiltrer une idéologie apaisante et puissante au sein de votre famille. Dans votre foyer, non mais j'ai pas les éléments avec moi là, merde. C'est vraiment ce que vous voulez faire ? Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais ne croyez-vous pas que ce serait l'endroit idéal pour déposer un objet par sécurité ? Hop, allez, c'est parti. Ouvrez le couvercle. Prenez quelques instants pour méditer sur cette. Je crois que c'est le crâne. Qui est le symbole de l'Inquisition dans la vie. On va enregistrer. Par acquis de conscience, hein. Qu'on n'ait pas tout à faire. Sophistiqué avons-nous pu profiter dans les 100 dernières années qui ont suivi le déclin de la machine. C'est un petit coin pratique. Exogène avec Xenoxidil. Nos lumières sont allumées et éteintes par un simple claquement de main. Nous avons des que fait donc ce trou en forme de cube ici ? Des couteaux qui peuvent découper une boîte de platypus et une tomate en même temps. Pourquoi ? Il y a seulement quelques jours de cela, j'ai reçu une demande de brevet de la société Froboz Électrique pour un système. Lorsque de vous voyez quelque chose comme ça, vous vous demandez s'il ne s'agit pas de l'œuvre préconçue d'une puissance cosmique supérieure. Pas encore. Le sort ne marchera pas tant que vous n'aurez pas aligné les trois magies sur quelque chose de suffisamment puissant pour transmettre leur énergie. Je sais que c'est une règle étrange, mais c'est un sort puissant que vous avez là. Vous voulez qu'il marche ? Oui ou non ? Tout est en place maintenant. Pour finir, il faudrait jeter un sort extraordinairement approprié et jamais encore utilisé. Imitation. Impossible. Apaisement. De jeter. Élimination. Le sort. Élimination de la magie et de tous ses aspects. Il y a trop d'interférences. Élimination totale. Yannick parle trop fort. Élimination du soleil. Mais faites-le taire, voyons. Élimination des sensations nouvelles et anciennes. Élimination des plaisanteries inutiles. Élimination des plaisanteries utiles. Non au flirt. Non à la libation. Non à la fermentation. Sauvez souvent, brossez régulièrement, brossez intelligemment, brossez athlétiquement, mais surtout, n'oubliez jamais qui est le chef. Moi, c'est moi, moi. C'est moi, moi le chef. Oui, je suis le chef suprême. Hé, hé, regardez là sur la tour. C'est pas le type du câble, ça.
crois pas que Jacques ait été vraiment très clair sur ce point. Il a envoyé le grand inquisiteur à nos trousses. Bravo. Je vous enverrai quelques lignes des plaines éthéréales. Et voilà. Vous menez la vie la plus étrange. Chut, pas un mot. C'est la scène où nous embrassons. Oh. Loyaux sujets de l'Empire, je déclare l'Empire souterrain ouvert et la magie libre pour tous ceux qui souhaitent l'exercer. L'Inquisition a été anéantie. Rentrez chez vous, c'est fini. Voilà. Zor, grand inquisiteur. Voilà. Est-ce que ça vous a plu, ce petit jeu, là? Mine de rien. Est-ce que vous avez kiffé? Une fois les objets en place, vous jetez le sort qui permet de lier les énergies de la magie. L'explosion qui en résulte vous propulse dans les... laisse-moi lire. Alors, je sais pas si je peux remonter. Voilà. Voilà, donc du coup, bah, on a fini le jeu. Voilà. Zor Grand Inquisiteur, donc un jeu que j'aime énormément, qui me fait beaucoup rire. Je sais, il faut pas grand chose, mais bon, voilà, ça me fait bien triper. On s'amuse bien sur ce jeu. Il y a de l'humour, voilà. Il y a des blagues, voilà, classiques. Je me rappelle d'avoir eu ça dans pour battre le Minotaure avec mon couteau rouillé dans Perdu dans le labyrinthe numéro 4. Voilà, moi c'est des blagues qui me font rire. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que peut-être demain soir, je sais pas encore, je verrai. En tout cas, si ça dépend, parce que à 18h demain, il y a le live de Xbox et je sais pas encore si je le fais ou pas. Ce serait cool. Enfin voilà, donc je vais voir. Et en tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis donc peut-être sûrement à demain. Au pire, mercredi pour... comment ça s'appelle? Pour... Mass Effect Andromeda. Et je tiens à vous poser une question. Est-ce que notre ami Dave Pakoun est toujours en live? Ce serait cool. Comme ça, je vous fais un raid. Allons voir. On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'il est encore en live ou pas? Non, il semblerait qu'il ne soit plus en live. Je l'ai vu jouer un peu ce soir. Je savais qu'il jouait, je ne savais pas s'il était en live ou pas. Donc, non, il n'était pas en live. Ok. Alors, du coup, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis... oh là, c'est cette souris là. Sûrement demain, du coup, hein, 18h. Ce sera sur la chaîne de Jindo, par contre. Voilà. Allez, bonne soirée.